Hey, what's up les gens, j'espère que ça va, c'est Alice. Merci de visionner à nouveau une vidéo. Aujourd'hui, on va aller à la salle de sport. Je vais aller tester mon maximum à la bench press, je sais plus en français, la... Voilà, hein, je vous le mettrai par ici. Et je vous retrouve après pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment et où j'en suis dans mes entraînements. On y va, c'est parti. Là, je suis à ma deuxième échauffement. Je monte tranquillement, j'étais à 60 pounds. Le premier, là, on est à 75. Donc là, on est à 90 pounds. Donc je vais faire que une ou deux reps pour pas me fatiguer, pour continuer sur mes max. À une rep à 105 pounds, je l'ai jamais fait avant, j'étais à 90-95 généralement. On va voir ce que ça donne. Là, on va tenter les 115. Donc, chérie va m'assurer, on va voir ce que ça donne. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Bon bah les 115 ils passent pas, donc on va tenter les 110 après pour voir si ça passe ou pas. Allez, dernier essai à 110 en espérant que je ne me sois pas cramée sur le 115. On va essayer de le passer celui-là. Bon bah on n'a pas le 110 non plus, donc on va s'en tenir à 105 rep max et on va essayer de travailler dessus pour bah, passer le 110 et le 115 la prochaine fois quoi. Bon bah maintenant que j'ai testé mon max à la bench press, je vais continuer mon entraînement sur les squats. Donc là je vais m'échauffer un peu et après je vous explique tout ça. On y va, c'est parti. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Donc là, mes séries d'échauffement sont terminées, donc je vais passer à mes séries d'entraînement. Sur aujourd'hui, je vais faire sur x5 reps et là, je suis à 140 pounds, je mets l'équivalent en kilo juste là. Et on va voir ce que ça passe parce que j'ai beaucoup de séries à faire pour vraiment m'entraîner sur mes 5 répétitions. Allez, on y va, on y va. Déjà ça me prend pas mal d'énergie, donc les squats je les ferai la semaine prochaine. Demain je testerai mes deadlifts, donc les soulevés de terre, je vous filmerai également pour que vous puissiez voir ça. Et pas de max sur les squats, on verra ça la semaine prochaine. Et généralement je prends entre 2 et 3 minutes pour le entre chaque saisie pour vraiment laisser le temps à mon corps à récupérer, je lève du lever. Allez, là je me prépare pour ma deuxième série, je vous montre tout ça et après je finis mon entraînement. Rappelez-moi mon sens du style, un legging gris, des chaussettes vertes et des chaussures noires.
Ah, pas du tout ça. Normalement, je commence toujours par les squats dans cet entraînement-là, et après, je fais mon bench press. Sauf que là, aujourd'hui, comme je voulais tester mon max, pour garder toute mon énergie sur mon max, j'ai commencé par le bench press, et après, j'ai fait mes squats. Mais c'est un entraînement haut du corps. Donc en fait, je vais me concentrer après avoir fini mes squats sur travailler le dos et les bras. Je vais souffler. Et demain, par contre, ce sera l'entraînement de jambes, donc je vais me soulever de terre. Et je sépare en fait squat et soulever de terre parce que c'est deux compartiments qui demandent beaucoup d'énergie. Donc les faire ensemble, ça serait perdre trop d'énergie, donc je préfère les séparer. Alors que comme le bench press c'est le haut du corps et le squat le bas du corps, ça passe. Donc voilà, allez. Il m'en reste beaucoup à faire. Et alors que j'étais en train de vous filmer mon magnifique dos pendant mon lap pull down, ma caméra en a décidé autrement et se mise à tourner toute seule vers le miroir. Voilà, notre entraînement, j'ai pu parler, ça y est, est terminé. Donc là, on va rentrer faire notre petit déjeuner. Je vais vous montrer parce qu'on va manger nos gaufres favoris qu'on fait toute la semaine, mais bon, depuis qu'on les a, on n'arrête pas. Et puis, bah, je vous retrouve plus tard avec ce beau soleil en Californie, ça fait plaisir, que j'ai dans les yeux d'ailleurs. Allez, à tout à l'heure. On vient d'avoir un débat parce que j'ai dit les gaufres favoris. Et ça se dit les gaufres favorites parce que c'est féminin. Et j'étais persuadée que ça se disait favori, que c'était invariable, comme le mot pourri. Donc voilà, Brice se fout bien de moi. Donc si vous avez des suggestions, parce que dans ma tête c'était sûr que c'était favori pour féminin et masculin. Donc je dois revoir mon français quoi. Donc pour les gaufres, c'est le boulot de Bibi, c'est lui qui prépare parce que c'est lui qui connaît les doses. Moi quand je sais au pif, généralement j'y arrive pas. Donc voilà, moi je vais me doucher pendant qu'il commence à préparer nos petites gaufres du petit déjeuner. On met à l'américaine le beurre de cacahuète et la confiture. On adore. Et donc voilà, sinon je voulais juste vous dire que si j'ai filmé donc cette séance aujourd'hui, pour vous montrer en fait mon max à la bench press, donc au développé couché, j'ai retrouvé le mot en français, parce que je commence un nouveau programme de powerlifting, donc force athlétique en français, qui consiste en fait à travailler en force maximale en fait sur... les trois exercices polyarticulaires qui sont le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Donc c'était pour me donner en fait ma base, comme vous avez vu, au développé couché. J'ai du mal avec les mots français. Et je vous montrerai les autres et j'ai plus de batterie. Ah merde. Donc du coup je disais que j'ai testé mes max pour avoir une base, donc je vous remontrerai dans quelques semaines comment j'ai évolué pour vraiment le but aller chercher mon max et progresser au fur et à mesure de moi. Et donc voilà, je voudrais qu'on voit ensemble toute cette évolution et je vous parlerai un petit peu plus donc du powerlifting, de comment ça marche, comment ça fonctionne et vous expliquer en détail mon évolution
et tout ce que je vais faire avec ça. Voilà, maintenant je mange mes gaufres parce que j'ai faim. C'est super bon. Et je vous retrouve, désolée, on ne doit pas parler la bouche pleine, la prochaine fois, dans une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces vers le haut, de vous subscribe, j'allais dire, de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos, parce qu'il y en a plein qui vont venir. Et je vous dis à la prochaine, à plus tard.